Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau haul avec la marque Fashion Nova. Et je peux vous dire que la vidéo elle sera pas courte quoi hein. On a énormément de choses à essayer et j'ai pris, comme vous avez vu dans le titre, je sais d'avance ce que j'ai pris. Il y a déjà tout ça, c'est que des trucs à paillettes. J'ai craqué, honnêtement j'ai craqué sur plein de robes de soirée de chez Fashion Nova parce que franchement c'est trop beau. J'ai vraiment hâte d'essayer tout ça quoi. Moi j'ai pas pris que des trucs de soirée quand même hein. Enfin je crois. Je vais reculer le colis, voilà. Ah mais je vous ai pas montré mon style d'aujourd'hui. Regardez-moi ça. Ce style est incroyable. C'est parti et aujourd'hui je suis en forme. Mais oulala, je suis trop contente. Écoutez, on va commencer par ouvrir le premier cas ici. Bon, je pense que j'ai pas besoin de le répéter, mais je suis en collaboration avec Fashion Nova depuis plusieurs mois maintenant. Donc du coup, mais je l'ai reçu en double cette robe. Parce qu'en fait je fais des sélections pour Instagram et des sélections pour YouTube. Ils m'ont envoyé dans les deux. Donc je vous mettrai la photo portée ici. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me rejoindre. Donc du coup j'ai porté cette robe déjà, elle est superbe. On a un petit truc ici pour faire tenir, tu sais, pour pas que ça s'écarte trop. Elle est vraiment magnifique cette robe et puis ça se voit. Tu vois comment elle est taillée? Ben ça sera pour vous celle-là hein. Est-ce qu'on attaque de suite les robes de soirée? Non, on va attendre. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'est un pantalon. Oh là 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 là. Oh là là, la fluidité. Écoute, je l'ai envie d'essayer parce qu'il est fluide, hein, pantalon noir. Qui a l'air de super bien taillé, enfin, c'est pas qu'à l'air, c'est sûr, parce que Fashion Nova, les pantalons, ils sont hyper bien taillés. Et là, c'est vraiment, tu vois, pantalon noir, large, fluide. Oh là là, je sens que je vais kiffer. On va voir si on a un haut à mettre avec. J'ai pas pris de haut. Oh, le seul haut que j'ai voulu tester les tenues de sport de chez Fashion Nova, j'ai jamais testé, on verra. Donc on va mettre ce haut, hein, tant pis, ça va vraiment super bien aller. Donc commençons par le pantalon, je suis dégoûtée, pourquoi? Il m'est beaucoup trop long. Attendez, je vais baisser un petit peu la caméra. Là tu vois, je suis sur la pointe des pieds et il m'est vraiment trop grand quoi. Il faudrait que je le reprenne, mais je sais pas le faire. Parce que vraiment, non mais regardez ça, comme il taille super bien. Non mais je... Oh. C'est un pantalon qui met vraiment en valeur la silhouette. Qui l'amincit de fou. Il colle bien. On peut avoir la taille fine. Oh, je suis trop contente. Mais non, je suis pas contente. Il est trop long. Vraiment magnifique. Je l'aime trop. Hyper agréable. Très fluide. The pantalon, quoi. Ensuite, parlons du haut. Ça fait vraiment bizarre. Écoutez, on modernise, d'accord, pour casser le côté sport, on met un truc classe. Avant de parler du haut, je vais mettre le legging assorti quand même, hein, pour qu'on puisse parler de sport. Hey! Hey! Tu vois, de mettre une tenue de sport, ça me donne envie de suite de refaire du sport. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai arrêté. Hein. Je suis de nouveau flasque, laisse tomber. Mais je compte reprendre en début d'année quand même. Parce que je me sens beaucoup mieux quand je fais du sport. J'ai moins mal au dos, je suis moins, tu vois, je suis plus tonique. Quand je fais pas de sport, je suis en mode... Tu vois ce que je veux dire? Donc cette petite tenue, écoutez, elle est très bien. On a les petits détails derrière pour mettre en valeur toujours chez Fashion Nova le fessier. Il est hyper agréable, hein. Tu vois, c'est pas le leggings qui va descendre, par contre il est pas gainant. Hein. Le haut très bien, on a des coques, hein, ce qui fait une poitrine généreuse. Continuons ce haul. Alors ça, c'est un ensemble qui avait l'air magnifique. Nous avons la petite jupe et le haut. Ok, petit ensemble très mignon. Par contre c'est très très court ici. Enfin là j'ai pas mis sous ses gorges, je ne vais pas lever les bras. Mais il est très très joli ces ensembles, j'aime beaucoup la couleur. On est super bien dedans, très à l'aise hein. Ah, on a aussi le petit détail ici à la jupe d'ouverture comme ça. Donc très joli. Je vois bien la petite photo Instagram là. Suivant. Je crois que nous avons encore un ensemble. Petite jupette. Avec le haut, alors attendez, il faut que je comprenne la fonction du truc. Je sais pas, je comprends pas, on va voir, on va essayer. Ok, ben non, il y avait rien de compliqué en fait. Donc le tissu est vachement plus épais, ça fait plus hiver que l'autre ensemble. Hein. C'est croisé devant comme ça, derrière aussi. Non, très joli ce petit ensemble aussi, franchement, j'aime beaucoup. Pour l'instant, on a un sans faute. Ensuite, oh punaise, un pantalon. Ah ben on va garder ce haut, c'est parfait. Moi je suis très jean slim. J'ai que des jeans slim ou des jeans mom. Mais là, celui-là, c'est un pâte def. Et en fait, je trouve que ça affine les jambes, les pâtes def. Mais je sais absolument pas si ça va m'aller. Parce que vraiment, les pâtes def, la dernière fois que j'en ai mis, j'avais 12 ans. C'était à la mode quand j'avais 12 ans. Tu vois, une 6ème au collège, je me rappelle avoir un jean à la Britney Spears, là. Donc j'ai hâte de tester. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est?
Non, je peux pas, je peux plus. Et en plus, c'est beaucoup trop lent. Hein. Ça va bien, hein, mais sur moi, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Après, il va super bien. Pareil, hein. De toute façon, ça colle bien. Je pense peut-être, tu sais quoi faire, hein, me le couper pour m'en faire un short. Parce qu'il taille vraiment, vraiment bien. Ensuite, oh, qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est, on attaque les robes que je ne mettrai jamais. Oh my god! Mais quelle est cette robe? En fait, ce qui faisait très beau sur cette robe, c'est de voir les jambes comme ça, de chaque côté. Ça faisait un effet fou. Je me suis dit, viens par là, tu vois. Oh mon dieu. Bonsoir. Je... Ouh, maman mia, c'est sexy. Oh là là, c'est beau, hein. Oh mon dieu, ça c'est sûr, je ne la mettrai jamais. D'où, où tu veux que je mette ça, tu sais? La meuf, elle va en boîte de nuit, elle arrive en mode comme ça. Bonsoir, laissez passer. Par contre, elle a une matière glissante un peu, donc ça a tendance à tomber. Mais le fait que ça soit hyper haut comme ça, je trouve ça tellement beau. Ah ouais, elle fait un effet, franchement, elle est magnifique. Juste la matière qui est glissante, tu vois, qui tombe un peu. Je la garde, même si je sais que je la mettrai pas, je la garde. Passons à la robe suivante, il me semble. Yes, alors ça, je l'ai vu, enfin même vous voyez ça, vous pensez à moi de suite, quoi. La couleur, très jolie, c'est une robe que si elle me va bien, je pourrais mettre. Alors, cette robe, très jolie, franchement très jolie, mais trop longue pour moi, tu vois. Ça, pour moi, c'est trop long. Quand on est petite, hein, c'est vrai que les trucs qui arrivent en dessous des genoux, c'est pas le top, quoi. Ensuite, c'est une matière quand même qui marque, tu vois. Mais ça va encore, hein, ça passe. Je ne pense pas la garder, pourtant c'est dommage, elle est très jolie. Et là, je me sentirais pas à l'aise de la mettre, quoi, tu vois. Écoutez, ah, oh, il y a des lunettes de soleil. J'avais oublié, j'avais pris des lunettes de soleil pour voir celle-là. Oh, punaise. Elles sont énormes. Tu vois que c'est de la qualité, elles sont très belles, mais elles sont énormes. Après, c'est le style, hein, mais il faut aimer les grosses lunettes, quoi. Je les trouve trop grosses, mais après, franchement, quand même, elles sont très jolies. Et la seconde paire, elles ont l'air très jolies, un peu grosses aussi, mais on va voir. Elles sont un peu trop grosses, plus petites, ça aurait été parfait. Mais j'aime bien, je crois. Et ça, c'est génial, quand tu commandes maintenant, t'as un catalogue. Moi, je kiffe les catalogues, ça me rappelle, tu vois, quand j'étais jeune, à la Redoute 3 Suisse. Hein. Allez, c'est parti, bah, écoutez, on va commencer par ça. Voilà. Écoute, je l'ai vu, je me suis imaginé, dedans, en train de danser. Oh my god, le tissu est hyper épais, le machin, je pense que ça doit gainer, ça, tu vois. Je suis trop contente, elle est magnifique, j'adore. Ah mais moi les franges j'aime trop. Ah ça c'est un truc de dingue. Ah mais vraiment qu'est-ce que je suis contente de l'avoir prise. Elle est magnifique. Oh mais regardez ça. Les strass comme ça en franges et tout. Mais je te jure par contre ça fouette si tu fais ça. Qu'est-ce qu'il y a? On n'approchait pas, ok. Enfin je vais arrêter de le dire mais je kiffe quoi. On va prendre celle-là. Ah oui c'est vrai que celle-là elle avait l'air magnifique aussi. Elle est prune, couleur prune. Hein. Tu vois c'est pas le genre de couleur que je mets. Alors cette petite robe, très belle. J'ai rien à dire. La matière est épaisse, hein, gainante, mais pas trop. Elle taille super bien. Vraiment, un petit côté court ici, petit côté long là. Elle est très belle, franchement trop trop belle. Je l'aime trop, je vais la garder celle-là aussi. Mais j'ai plus de place dans mon placard. Et tu vois les épaules comme ça. Si vous êtes complexé par vos bras, vous trouvez vos bras gros. Les manches comme ça, je trouve ça va super bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai grossi des bras. Depuis que j'ai arrêté le sport, moi si je fais pas de sport, je grossis des bras. De mettre des manches comme ça, ben ça va bien, je trouve que ça fait pas ressortir ton bras, tu vois. On va essayer une combinaison. Alors les filles, sur la photo, je vous le mets là. J'ai eu un coup de cœur. J'espère sincèrement qu'elle ira bien. Je pense qu'elle va mettre trop longue, bien sûr. Alors déjà, la matière, j'adore. Ah par contre, c'est transparent. J'ai pas de soutien-gorge noir simple, c'est incroyable quand même. Oh ma chère, ça fait tellement classe je trouve, hein. J'aime trop. Le pantalon on est super bien dedans, bon bien sûr il est trop long. Hein. Vraiment les filles, tu te sens tu vois, ouais, élégante dans cette tenue. Allez vas-y, on va essayer celle-là parce que la couleur m'interpelle. Personne veut faire une soirée thème paillettes strass, non? Oh ouais bon voilà, hein, on sait pourquoi j'ai choisi. Elle a l'air magnifique, hein, mais la couleur et tout, oh là là que c'est beau. Je sens que je vais la kiffer celle-là. Hein. Elle est magnifique. Oh mon dieu elle est trop belle. Elle est sublime, elle taille super bien, elle est pas trop courte, elle est très agréable, elle ne pique pas. Parce que les robes à sequins, ça pique. Celle-là, elle ne pique pas. Oh là là, j'adore. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que là, vraiment, j'ai mes yeux. Même si je la mettrai pas, c'est pas grave.
D'accord. On ne sait jamais, une occasion peut se présenter, tu vois. Je l'aurai. Parce que vraiment, moi, je serais trop contente de la mettre. Hein. Allez, tu vas le teint. On va être un peu plus dans le sobre. Ah ben pareil, je l'ai en double. Hein. Elle sera pour vous, mais je vous la mets portée. J'avais fait un TikTok avec. Et d'ailleurs, vous étiez hyper nombreux à me dire « Mais quelle robe magnifique, d'où vient-elle » Fashion Nova. Suivant. Alors, on a deux argentées, mais celle-là m'appelle. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh là là. Oh my god. Je l'essaye de suite. Ça fait très année 20, je dirais, à tout hasard. Hein. Elle est jolie, hein, mais il manque ce truc. Je vais pas la garder parce que, je sais pas, il n'y a pas ce coup de cœur. Niveau qualité, elle fait moins bien que les autres, je trouve. Elle est quand même stylée hein, avec les franges, mais ouais, j'ai pas le truc. Allez, bah écoutez, on va alterner, on va faire la rouge maintenant et il nous restera une argentée. Et si je me rappelle vraiment ce que c'est, elle avait l'air sublime, la photo. Alors celle-là, très esprit de Noël, à l'heure où je filme, Noël n'est pas passé. Bon, je pense pas que je vais aller en repas de famille avec une robe comme ça. Waouh, essayons-la de suite. Alors, j'aime pas. J'aime pas, qu'est-ce que c'est que j'aime pas? Avec les cheveux ça va bien, hein. J'aime beaucoup le dos. Le dos assez décolleté et tout, elle colle bien, les sequins sont très jolis. Mais ce qui va pas, c'est ça quoi. Ça fait trop gros. On a des coques, hein, et fait moi qui ai une petite poitrine, quoi, vraiment j'y nage dedans. Elle passe, hein, franchement elle passe, hein, mais c'est que moi je trouve que ouais, ça fait trop gros. Eh bien écoutez, passons au dernier article de cette commande. Ça passe toujours trop vite. C'est une robe... Ah mais attendez, il y a des épaulettes. Alors ça, moi je déteste les épaulettes, mais ça se voyait pas. Par contre, très décolleté, mais j'ai la solution. Si t'aimes comme moi, tu vois les robes vachement décolletées, mais que t'as peur à tout moment qu'on voit les tétés, cette chose. Comme du scotch spécial décolleté. Je mets le machin, tchac, j'enlève, je prends ma robe et je colle. Pareil de l'autre côté, et là, plus de risque. En ce qui concerne les épaulettes, alors je sais pas quoi en penser, parce que j'aime pas les épaulettes vraiment, mais là je trouve que ça fait partie en fait du style de la robe, ce côté très tac tac, et si ça y était pas, ben la robe serait moins belle. Ça, cette robe, je l'imagine avec une peau bronzée, je pense que ça serait juste magnifique, donc je sais pas quoi faire pour cette robe, si je la garde ou pas. Ah, pardon. Je me suis crachée dessus. Donc voilà pour cette vidéo finie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous ai mis comme d'habitude tous les liens des articles en barre d'infos sous la vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi franchement je regrette pas du tout d'avoir pris ces robes. Parce que vraiment quand j'ai donné ma sélection à Fashion Nova, je me suis dit pourquoi. Mais en fait je regrette pas du tout. Elles sont magnifiques les robes, je suis trop contente. Je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.